Bonjour, bonjour tout le monde, comment allez-vous? En ce mercredi, c'est mercredi déjà, le temps passe tellement vite. Bienvenue, installez-vous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, c'est plutôt pas mal, c'est les vacances, j'ai du temps et j'ai réussi à rendre mon ordinateur compatible avec Windows 11. C'est fou. Est-ce que c'est une bonne idée? On n'est pas tout à fait sûr de ça. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'aujourd'hui, donc visiblement, ça stream. Et ça stream quoi? Ben, comme le dit le titre, ça stream. Versailles, complot à la cour du roi Soleil. Ça fait une éternité que j'ai pas joué à ce jeu. Je l'ai retrouvé sur Abandonware France et ça m'a fait, comme qui dirait, beaucoup du plaisir. Donc je vais le lancer tout simplement parce que là, pour l'instant, vous avez un écran noir qui n'est pas des plus palpitants. J'en ai conscience. Mais en fait, l'histoire du jeu s'explique dans la cinématique d'intro avant d'arriver sur le menu. Donc, tout simplement, voilà, j'ai attendu qu'on soit là pour le lancer. Alors, est-ce qu'il va le détecter correctement? Ça m'a l'air, oui, voilà. Ça, c'est pour régler la mire de votre téléviseur. Alors, oui, pour l'instant, il n'y a pas de son. Je pense que c'est normal. Parce que moi-même, je n'en entends pas. Oui, ça y est, voilà, on y est. Au solstice d'été, Écoutez comme au bien, hein. palais d'Alcine, le ciel l'embrasera, et du château de Versailles, plus rien ne restera. Le roi pense que c'est là la vision d'un fou. Une simple chimère. Tu peux lâcher bon temps et toute sa cohorte, que personne ne sorte, il n'est déjà plus temps. Car je défie l'astre roi et toutes ses planètes d'agencer comme il doit les titres et les têtes et désope les maux qui allument mon brûlot, les grenouilles et Jupiter. Le ton est bien celui d'un démon. Mon service auprès du roi m'empêche de m'occuper de cette affaire. Je veux la lampe. Que vous vous en chargiez. Comme garçon de la chambre, vous pouvez circuler partout. Vous connaissez le château, ses usages et ses gens. Questionnez sans relâche. Rapportez-moi tout ce qui vous paraît suspect. Mais attention, n'allez pas faire courir le bruit qu'un fou menace le roi. Hâtez-vous, vous n'avez qu'une journée devant vous. 8h30, déjà? Voilà, où on en met. Alors, je vais juste vous déplacer peut-être un petit peu ça. Voilà, décaler un petit peu. Voilà, et vous serez bien là. Ça y aura le chat au-dessus de ma tête qui ne gênera absolument pas le reste. Alors, ben, tout ce qu'on veut faire, c'est commencer une nouvelle partie. Un juin 1685. Le petit lever. Sire, voilà l'heure. Dès le réveil, Dakin, le premier médecin, s'enquiert de la santé du roi. Votre Majesté a-t-elle bien reposé cette nuit? S'est-elle échauffée? Désire-t-elle qu'on la frotte? Merci, Dakin. Votre Majesté jouit d'une santé parfaite depuis 2 mois. Pendant que Bontemps lave les mains du roi, on procède aux entrées familières. Comme tous les matins, Monsieur, le frère du roi, Monseigneur, le Dauphin et le Duc du Maine viennent assister au réveil de Sa Majesté. Donc ça a à faire, littéralement. Bien, mon fils. À quelle heure partiez-vous chasser le loup ce matin? Chasse pas le loup. Donc, ambiance, hein, c'est Alexandre Bontemps, premier valet de chambre ordinaire du roi. Bontemps sait tout, voit tout, dit tout au roi, il sait tout.
du roi, mais ne dit rien. Le premier valet de chambre ordinaire a toute la confiance de Louis XIV, qui est parrain de son fils, est un des rares initiés à avoir assisté à son mariage avec Madame de Maintenon, voilà 2 ans. Gouverneur de Versailles depuis 1665, l'homme le mieux informé du château utilise les Suisses. Non, on n'utilise pas les Suisses, s'il vous plaît, ce sont des personnes. Il est capitaine général pour diriger une véritable service d'espionnage domestique. Le duc du Maine, donc encore quelqu'un avec une coiffure abominable. Jeune garçon de 15 ans qui traîne la jambe dans les couloirs de Versailles. Fils du roi et de Madame de Montespan. Légitimé avec son frère cadet et sa sœur. Préfère nettement la compagnie de Madame de Maintenon à celle de sa mère. C'est elle qui l'a élevé et elle continue à choyer cet enfant timide affligé d'un pied beau. Féru de lettres et de culture et très aimé par son père, tatatata, d'accord. Donc monsieur, frère du roi, donc. Et derrière, monseigneur, le dauphin. Et tous avec des perruques absolument abominables. Bonjour. Et qu'est-ce qu'on fout là, nous ? Y a pas un truc à interagir là, on parle avec personne. Juste, on est là, on se casse, quoi. Bon, et ben, on se casse. Entrée des animaux dans l'arche. Girolamo Bassano. Le repas d'Emmaüs. Ah, il y a déjà des trucs là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une clé. J'ai pécho une clé. Ce vase est vide. Ça y est, j'ai déjà des trucs. J'ai une petite clé. C'est... Bonjour. Le petit lever du roi est commencé et Monsieur Bontemps n'a guère de temps à vous consacrer pour l'instant. Il a été procédé aux entrées familières. Monseigneur le Dauphin est rentré de la chasse comme tous les matins et Monsieur, frère du roi, est déjà là, aux côtés du duc du Maine. Eh ben, c'est magnifique. C'est quoi? La Madeleine au pied de Jésus-Christ. Sortie de l'arche. Des trucs là, des petits vases et des trucs. Ah. J'ai entendu dire, monsieur Mansart, que le prince de Condé vous a encore commandé quelques travaux pour son château de Chantilly. Oui, il est insatiable. L'orangerie n'est pas terminée, qu'il exige des embellissements sur le petit château. Non, mais attends. Il a fait la fort belle œuvre. D'ailleurs, monsieur le prince aime tant cette demeure qu'on le voit très rarement à Versailles. Ce sont surtout les supplices de la goutte qui le retiennent. Je ne crois pas son Altesse enclin à la solitude. Non, je puis en témoigner. Le prince a le goût de la société. Et s'il se fait rare à la cour, il n'en imite pas moins les fastes à l'abri de Chantilly. À de nombreuses reprises, il a fait appel à moi pour son divertissement. Il est généreux et plein de discernement. Mm-hmm. On est d'accord que là, on a voilà, Jules Ardoin-Mansart... Et Racine. Racine, donc. Ok. On va aller par là. Bonjour. Oui. C'est qui, Charles Lebrun. Oui, bonjour. Comment ça va? Je sais pas, qu'est-ce que tu racontes? Vous semblez contrarié. Je devais ce matin poursuivre la décoration de plafond, mais quelqu'un m'a dérobé mes esquisses. Ah bah c'est pas gentil ça. Je ne sais pas, mais ce château se nourrit de complots. Que Mignard mène encore une cabale contre moi ne me surprendrait guère. Ah, sacré Mignard. Simplement tous les motifs que je dois peindre aujourd'hui sur les plafonds du salon de la guerre. Vous comprenez mon embarras? Bah évidemment, comment veux-tu faire sans tes esquisses? J'allais vous en prier. Faites vite, il me les faut ce matin.
Si vous obtenez quelque chose, vous me trouverez dans le salon de la guerre. Ah, comme on peut. Voilà, c'est ça. Va au salon de la guerre. Et on va pas tout regarder, hein. Rien d'autre ici. Dis-moi mon petit pote. Mais non, ça c'est le plan. La première antichambre, d'accord. Est-ce que je peux avoir un... Voilà. Genre si c'est rapide, voilà. Faire un truc un petit peu plus... Un petit peu plus péchu. Et oh là, oh là, oh là. Ah, où est-ce qu'on est là? On est descendu, on sait pas où on est. Et c'est celle-là qu'on ouvre. Une paire de ciseaux. Bon, et ben j'ai une paire de ciseaux. Je sais pas à quoi ça va me servir. Ah, il y a encore un truc là. Wow, 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 wow. Bon, l'ambition va-t-elle étouffer Monsieur Lebrun? Jusqu'à quel sommet va-t-il désormais se hisser? Je me souviens de l'Académie Royale ne devrait pas s'endormir sur les hauteurs de la Grande Galerie. Les heures de gloire qui occupe actuellement au plafond de la Saint Égard t'empêche de voir le talent de supplanter. Réjouissez-vous tant qu'il est encore temps, Monsieur le Chancelier, certains courtisans n'aiment pas. On aura posé votre signature sur tous les murs de Versailles. La palette de Monsieur Lebrun n'est pas à manier à la légère. Parmi les couleurs qui utilisent si habilement, une seule te servira, dominante dans le salon du roi. Te révélera un plagiat que j'ai fait de Monsieur Lebrun. Eh ben. Il se déplace très smooth, hein, comme ça, très tout en douceur, toujours. Salon du roi, là on est là dans l'antichambre des bassins. Pas plus haut visiblement. J'ai le papier taché d'encre. D'accord. Le coffre est fermé. J'ai une clé. Eh ben non. Était pas mal la chambre, non? On croirait une chambre parisienne actuelle. Peut-être même un peu plus spacieux. Bon. Les huissiers. Écoutez, je suis désolé, mais Monsieur Bontemps est trop occupé pour vous parler. Oui, bah... Non, désolé, mais je viens de voir Monsieur Lebrun traverser le salon. Oui, je sais, c'est... Par là, là, c'est là où je viens. Bontemps n'a pas le temps de vous parler. Oui, je sais, tu l'as dit. Ça commence bien, déjà. Monsieur Bontemps est fort affairé avec le roi pour l'instant. Je le peux et je le dois. Monsieur Bontemps ne peut vous parler pour l'instant. Bon. Ah, je crois me souvenir d'un truc. On va voir, on va remonter. Je crois que les ciseaux servent à ouvrir le coffre.
Voilà. Papier du coffre. Et est-ce que c'est pas celui-là qu'il faut... Non. Chambre du garçon bleu. Oui, mais non, moi, ce que je veux, c'est me tirer de là. Possible ou pas? Bug bloquant. Faire ça, mais... Je suis bloqué, simplement. Voilà, qui me remet là. Bon. J'ai débloqué la poule et les poussins. C'est très bien. Mais encore... Papier révélé, petite clé. Bon. Ah, la porte est ouverte. Il n'y a plus personne ici. Super. La cour assiste au grand lever. Monsieur Bontemps m'a prévenu qu'il ne veut pas être dérangé. Voyons. À 7h, le roi termine sa toilette. Il va ensuite prendre une légère collation. Je dirais un quart d'heure, tout au plus. Super. Fort bien. Passez. Ah bah, t'es vachement plus sympa que tout à l'heure. Tu es levé au conseil. Le petit lever s'est achevé par la toilette du roi. Sous le regard des courtisans admis aux premières entrées, le barbier peigne sa majesté. De la perruque courte. Puis, place est faite devant le roi qui se rend au salon pour le grand lever. Pendant que sa majesté prend une légère collation, les courtisans autorisés se joignent à l'assistance. Chacun vient quêter un regard du roi, son quai très joyeux, hein. Dans le cabinet du conseil, où seront discutées les affaires du royaume. Je vous assure, monsieur le prince, que Lebrun va présenter au roi une élévation du Christ en croix de sa composition dans quelques jours. Mais son rival Mignard n'a-t-il pas peint une toile sur le même thème très récemment ? Si fait, monsieur le prince. La rivalité entre les deux peintres tourne presque au ridicule. Pour le plus grand bien de l'art, en fait. Mais laissons ces querelles d'artistes. On vous voit si peu à la cour, monsieur.
Vous lasseriez-vous enfin de Chantilly ? Hélas, je viens une fois de plus plaider la cause du prince de Conti et de son frère. Je crains que sa majesté ne tienne mes neveux en disgrâce à leur retour de Hongrie. Je viens chercher sa clémence. Bah, ça vous fait des bonnes soirées, enfants. Sainte Cécile avec un ange tenant une partition musicale. Baptiste. Le roi tient son conseil. Nul ne peut franchir cette porte. D'accord. Je l'ignore. Mais il pourrait être plus long que de coutume, car monsieur de Louvois est arrivé chargé de grands portefeuilles. S'ils contiennent des plans, il devrait être question des forteresses de monsieur Vauban. Ah, les forteresses de Vauban, on les a toutes visitées hein, quand on était gamin. On les connaît, ces choses-là. Voyons voir. Il est passé où l'autre ? Il est là. Ah, hey. Vous tombez bien, Lalande. Je veux que vous alliez de ce pas prévenir madame de Maintenon que sa majesté se rendra chez elle cet après-midi pour y travailler. Travailler. J'écouterai vos questions en leur temps. Pour l'heure, il vous faut prévenir madame de Maintenon que le roi travaillera chez elle cet après-midi. Ok, donc tu n'en as rien à foutre de ce que tu m'as demandé tout à l'heure. Maintenant, où est-ce qu'elle va être ? Pas ici, visiblement. Duc de Duras, d'accord. Bon bah, faites pas attention, hein, je fais que passer. Hop. Que voulez-vous à madame de Maintenon ? J'ai un message. Madame m'a laissé des ordres stricts. Elle est légèrement souffrante et ne désire pas de visite. Oui, non mais je fais comment, moi ? Madame ne veut être dérangée sous aucun prétexte. Mais au bout d'un moment, madame va se prendre une quiche dans sa tête. Que voulez-vous encore ? Que tu dégages du chemin. Oui, cela est possible. Ah, tu vois quand tu veux. Enseignez donc vos indices à l'huissier. Ouais. Je lui donne quoi ? Ne m'importunez pas avec cela. Bon bah d'accord. Et qu'est-ce qu'il faut que je te donne ? Genre le papier taché ? Ne m'importunez pas avec cela. Oui voilà, c'est bien ce que je pensais. Play sur les arts. On trouve de plus en plus de ces feuillets. Vous voyez, j'en ai moi-même trouvé un ce matin qui répand les pires calomnies sur sa majesté et sa famille. Oh ! Qui a dit que le sang royal était pur ? Voyez la lignée dont descend sa majesté. Qui enverrait au Bourbon un tel nez ? Voyez du roi la descendance. Un prince boiteux, un futur roi qui marche en dormant. Ce dernier fait revenir la survivre à son père. Mieux que sa cohorte d'enfants mort-né parmi les médailles du roi. C'est l'exception qui fait la règle. 23, 23, 21. D'accord. Super. J'ai le droit de me tirer maintenant. On va retourner voir Bontemps maintenant qu'on a fait sa commission. Là. Avez-vous trouvé de nouveaux indices ? Oui. Ah, il faut que je te montre. D'accord. Alors, celui sur la ligne royale.
Au nom du ciel, encore un de ces libelles. Savez-vous, Lalande, que les auteurs de ces pamphlets devraient être condamnés à l'exil ou à l'embastillement? Mais aujourd'hui, rien ne semble pouvoir les arrêter. Nous verrons cependant qui aura le dernier mot. Je compte sur vous, Lalande. J'espère que je m'appelle pas Francis, parce que si je suis Francis Lalande, ça va mal se mettre. Au nom du ciel, encore un de ces libelles. Oui, ça tu l'as déjà dit. Lalande, que les auteurs de ces pamphlets devraient être condamnés à l'exil ou à l'embastillement. Mais enfin, on va se calmer quand même, hein. Le mec il a juste écrit une bafouille. Nous verrons cependant qui aura le dernier mot. Je compte sur vous, Lalande. Le papier révélé. Vous progressez, je vois. C'est très bien. Je ne sais pas, Lalande. Je n'entends rien à ces charades, ni dans quelles intentions elles jonchent ainsi le château. Mais ce surcroît de mystère me laisse craindre une conclusion imminente, et malheureuse sans doute. Poursuivez votre enquête, Lalande. Avec toute la célérité possible, vous êtes sur la bonne voie, mais on se joue encore de nous. Très bien. Il m'a pris la poule et les poussins. Continuez vos recherches, Lalande. Ok, c'est tout ce que tu as à dire. Clé, une bougie, petite clé, bougie. Il a ça à côté de son plumard pour pouvoir danser le bougie. Ouais, c'était mauvais. C'est mérité. Et toi, qu'est-ce que t'as à dire? Non, rien? Pourquoi tu bugs comme ça? Ok, bah je reviendrai plus tard. On va passer à la galerie des glaces, tout simplement. Bon, ça va, ça chill dans la galerie. Je croyais que l'opéra n'avait plus la faveur du roi. On m'a même rapporté, là d'où je viens, qu'il s'était ennuyé à la représentation de Roland. Oh, ce n'est pas le roi qui est en cause, monsieur. Et l'on voit bien que vous êtes étranger à la cour par votre ignorance. Sa Majesté goûte toujours la musique de Lully, mais elle subit l'influence de Madame de Maintenon qui juge l'opéra immoral et mondain. L'incomparable monsieur Lully serait-il en disgrâce? On le murmure. Pourtant, j'ai appris qu'il travaillait à une nouvelle pièce écrite par Monsieur Racine et baptisée L'Idylle sur la paix. L'association entre ces deux artistes est surprenante. Pour le moins, il s'agit d'une commande du marquis de Seignelay qui va être jouée à Sceaux le mois prochain. Vous m'en direz tant. Je vais peut-être vous mettre un petit peu plus de son sur le jeu. J'ai l'impression que ce n'est peut-être pas forcément les dialogues. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Ah oui, on est là, d'accord. Oui, mais non. Voilà. Ne vous foutez pas de moi. Alors, je ne peux pas aller tout au bout là-bas. S'entretient avec la princesse de Conti? Je l'ignore, madame, mais on m'a rapporté qu'un marquis de Scaparella était de passage à la cour et avait demandé audience au roi. Peut-être s'agit-il de lui. Impossible! J'ai connu jadis un Scaparella.
Un homme sans âge que l'on aurait dit au bord du tombeau. Il faudrait qu'il ait trouvé une fontaine de jouvence. Quelle étrangeté! Vous m'intriguez, madame. Qui cela peut-il être? Je voudrais bien le savoir, car sa présence me trouble comme un mauvais présage. Déjà, les mecs, voilà, ils voient quelqu'un qu'ils connaissent pas, c'est oh là là, c'est qui ce gars-là? Bon, est-ce qu'il est là, le brun? Ben oui, il est là, voilà. Avez-vous des nouvelles de mes esquisses, monsieur? J'y travaille. On va se calmer. Ouais, ça manque un peu de peinture, tout ça. C'est pas tippy-top, hein. En même temps, si tu rangeais tes papiers, est-ce que tu y aurais besoin qu'on aille courir partout pour te les chercher? Et toi, si je te fais réagir avec le truc sur les lignes royales, parce que c'est à cause de toi quand même. Non, tu t'en contrebalances. Tu t'en contrebalances et je ne peux toujours pas te parler. Bien, on va essayer d'aller ailleurs, tout simplement. C'est ça qu'on va faire. Que voulez-vous encore? J'ai rien à lui dire, très bien. Et il n'y a rien d'autre, d'accord, il n'y a pas d'autre passage par ici. C'est un petit peu ballot. J'ai une bougie et une clé. Qu'est-ce que j'en fais, moi, de ça? Garde du corps. Bien. Et par là, on va descendre. Ouais, c'est ça. Ça descend ici. Ok. Donc là, j'ai trouvé le premier pamphlet. Et là, j'avais trouvé les ciseaux. Garde le truc de couture. Ok. Là-haut. On a déjà fouillé la chambre. On va continuer à monter. Il s'en fout. Sur la lumière royale, papier taché.
pamphlet sur les arts. Ouf. C'est brûlé. Quoi? What? Oh non, et puis il va falloir que je reparte. Oh là là. Ah, il faut que je reparte de là. Bon. Je ne me rappelais pas qu'il y avait des game over dans ce jeu. Je ne m'en rappelais absolument pas. Oui, voilà, maintenant que j'avais le papier, je pouvais aller là. J'espère qu'on ne se retape pas la cinématique. Je n'ai rien vu de la sorte. Non. C'est dommage, ça m'aurait aidé. Fort bien. Passez. Oui, voilà, tu me remets l'acte 2. Oui, non, ça va. Alors, on va pas réécouter encore leurs conneries. Aïe. Du coup, toi... Ah. Vous tombez bien, Lalande. Je veux que vous alliez de ce pas prévenir Madame de maintenant que Sa Majesté se rendra chez elle cet après-midi pour y travailler. On va y aller tout de suite, on va pas trop chercher la merde. Donc, faites-moi penser à faire des sauvegardes, hein, parce que... J'avais un peu l'air d'un con, on va pas se le cacher. C'était un peu débile. Que voulez-vous à Madame de Maintenon ? Par tous les diables ! Quand bien même seriez-vous cardinal, que vous ne franchiriez pas cette porte sans m'en donner la raison. Madame est souffrante et ne désire pas être dérangée. Oui, j'ai un message à lui donner, hein. Alors, John B. Grimm, la bamboche des 3 mois. Merci, merci beaucoup, John, bienvenue sur ce stream. Merci donc pour cet abonnement de niveau 1. 3 mois consécutifs. Rapide coucou depuis le taf face à ce perso qui ne cligne pas des yeux, c'est vrai. Cela est possible. Ouais, bah j'espère bien que cela est possible. Voilà, et il faut que je te montre le pamphlet sur les arts. Que voulez-vous encore ? Oh ! Le papier révélé ? M'importunez pas avec cela. Ah non, bah non, voilà, c'est pas ça que tu voulais. On trouve de plus en plus de ces feuillets. Voyez, j'en ai moi-même trouvé un ce matin qui répand les pires calomnies sur Sa Majesté et sa famille. Voilà, on l'a vu tout à l'heure, tout ça. Super. Allez, on dégage. On sauvegarde, surtout. On sauvegarde. C'est ça qu'on fait. Faut qu'on trouve un moyen de débloquer le fils là. Et voilà, tout ça c'est vide. J'ai ramassé une clé, je sais même pas pourquoi. Vous progressez, je vois. C'est très bien. Ben merci, mon vieux. Tu as fait une jolie vieille, une jolie veille en R&D de contenu, ça attaque fort. Ah mais Versailles, c'est, je l'ai eu. Je ne sais pas, Lalande.
Je l'ai eu, je crois que j'ai toujours la boîte derrière. Ouais, je la vois d'ici. J'ai toujours la boîte, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à la retrouver sur Abandonware et dans une version quand même sacrément bien fonctionnelle. Avec toute la célérité possible, vous êtes sur la bonne voie, mais on se joue encore de nous. Il va lui montrer quand même un des pamphlets là. Vos recherches, Lalande. Voilà. Ça veut dire j'en ai rien à taper. Je reprends ma grosse clé, je reprends ma bougie. Y avait pas un truc dans l'espèce de petit coffret là ? Si voilà, cette porte est fermée à clé. Petite clé, non. Grosse clé. Oui. Ah, on dirait des esquisses. On dirait des esquisses. On va pouvoir aller voir l'autre tocard au salon de la guerre. Donc le salon de la guerre est au nord. Je n'ai jamais su retenir... Je n'ai jamais su retenir lequel était le salon de la guerre et lequel était le salon de la paix. Et pourtant, j'ai travaillé dans ce château pendant 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai foutu les pieds et impossible. Allez, là, mon garçon. Quel est ce carton que vous tenez si précieusement ? De quoi je me mêle, s'il te plaît ? Des esquisses ? Intéressant. De qui sont-elles ? Les croix de Monsieur Lebrun, il m'a demandé de chercher des esquisses. Et vous osez me demander de vous éclairer ? Mais quelle impertinence ! Attends. J'occupe mes journées à enseigner aux garçons bleus ? Allons, je serai Clément. Oui, bah attends, plutôt attends. Alors, tu peux voir les esquisses. Eh ben, regarde les esquisses. Rassurez Lebrun. Ce carton contient ses œuvres, mais quelqu'un a glissé un dessin de Mignard sur le sommet de la pile. Je le retire. Sa présence risquerait de provoquer un bel éclat. Ah bah ça, tu l'as dit. D'accord, donc ça, c'est un... Ouais. Ok. Je l'ignore. Mais apparemment, quelqu'un cherche à exciter les sempiternelles querelles entre ces deux peintres. Simple jalousie d'artiste, je présume. Pour ma part, je me trouve bien d'avoir passé commande à Mignard. Mais je n'en admire pas moins ce qu'a fait Lebrun dans la grande galerie. Eh ben, c'est bien. Bon, du coup, est-ce que j'ai un dessin ? Non, j'ai... Allez, donner son carton à l'autre tâche. Ouais. Oui, ce sont bien là mes esquisses. Ah, vous me tirez d'un cruel embarras, je vous en sais gré. Celle-ci n'est pas de moi. C'est une copie grossière. Observez ces traits, ils sont exagérés. Les lignes y sont plus appuyées. Conservez-la, je n'en ai nul besoin. Bah d'accord. Une fausse esquisse. Donc celle-là, c'est une fausse esquisse. Ah non. Il y avait un message. Ce Milan et ses oiseaux. Ah bah t'es arrivé là. Alors, toi. Lalande, où en sont vos recherches ? Eh ben j'en sais rien. Plus un mot, Lalande. Sachez que je ne tolérerai plus aucun écart de conduite de votre part.
Suis-je bien clair? Brisons-la. Et montrez-moi plutôt ce que vous avez découvert. Quel étrange procédé. Que signifient ces mots? Le mystère s'épaissit. Je vous félicite, Lalande. Vous avez agi avec diligence. Mais le coup... Il y avait des chevaux en plus. Et la messe va commencer. Il faut que je vous laisse. La messe va commencer. Acte 3 du conseil à la messe. Terminé, le roi s'est rendu en son conseil. Entouré des ministres, il gère les affaires du royaume. Les portes sont closes pour préserver le secret. Le marquis de Louvois, le plus important de ses ministres, énonce les ordres du jour.
pas moi en tout cas. Super. Bon, on va chercher. Qu'est-ce qu'on a par ici? Bonjour. Vous êtes-vous rendu au lever ce matin? Si fait, madame. Sa majesté était de fort belle humeur et m'a recommandé de travailler à de nouvelles pièces qui exaltent la vertu et la dévotion chrétienne. C'est un registre auquel vous ne nous aviez guère accoutumés. Mais il est vrai que la mythologie n'a plus les faveurs de la cour depuis que madame de Maintenon s'y préoccupe de morale. Ah, ça va être la faute à Maintenon. Je suis pas ennemi de bien, bientôt, madame de Maintenon égale Yoko Ono. On connaît l'histoire. Non, lui, il veut pas parler. Ok. Bon, ben, s'il veut pas parler, on dégage. Est-ce que je peux aller par ici? Oui. Et super, tout ça. Vraiment, les gars, chapeau. Ici, il y a Kutchi, et là, a priori... Si je me suis bien orienté, oui, voilà. On se retrouve ici. Oui, voilà. On se retrouve ici. Je l'ignore. Demandez à un autre Suisse. Non, je l'ignore. Ce doit être un autre Suisse qui la détient. On va continuer de fouiller par là-bas. On va finir de descendre l'escalier. Pourquoi désirez-vous le savoir? Mais oui, vous êtes Lalande. Monsieur Bontemps m'a parlé de vous. Tenez, voici la clé. Prenez-en soin. Ben, merci. Je savais pas que John Cleese travaillait comme Suisse au château de Versailles. Je suis un petit peu surpris. J'ai le droit d'aller dehors? J'ai le droit d'aller dehors? Je suis carrément dehors. D'accord. Parfait. Ah, que de souvenirs. Sachant que, pour ma part, donc je vous ai dit que j'ai travaillé 3 ans dans ce château, très précisément ici. Voilà. Cette porte-là, 1, 2, 3 fenêtres. C'est là que j'ai bossé. Eh bien, Lalande, où en êtes-vous dans vos enquêtes? Eh ben, j'y travaille. Voilà, on va dire que j'y travaille. Il est toujours sur mon chemin. Hein. Au bout d'un moment, fais-la toi-même ton enquête si tu passes ton temps derrière mon cul. Oh, on peut les entendre depuis là-bas? Certes, le roi, comme à son habitude, poursuit la bonne politique. Mais les fortifications de Vauban coûtent fort cher. C'est là un moindre sacrifice et sa majesté a été claire ce matin au conseil. Il faut persévérer. N'allez pas me faire croire que vous, monsieur le ministre de la guerre, vous rechignez à cette tâche. Non, monsieur, non. Bien au contraire. Toutefois, Vauban, lui, pourrait bien être écarté s'il persiste à critiquer la lutte courageuse que mène notre souverain contre la religion hérétique. Hérétique au bûcher ! Pardon, je... Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc, rien à faire par ici. Par là, je ne peux pas y aller.
Ok, par là. Là, je peux aller dans la cour d'honneur, là. Oui, voilà, une, deux, trois fenêtres. Okay. Il y a littéralement rien à faire. De toute façon, on a la clé de la petite porte du truc des musiciens, donc on va retourner là-haut. J'ai l'impression que le mec attend que je sois là pour se mettre à chanter. Clé de la petite porte d'Apollon. Yes. On y est. Alors. Par ici, j'arrive où ? J'arrive là. Oh super, c'est les Toshio. On peut y faire un truc, genre je peux y mettre une bougie, non? Avec une billard, non? Pas un truc à ramasser. Et il y a moyen de monter. Et cette porte est fermée à clé. Oui, mais j'ai une petite clé. Cette porte est fermée à clé. Et je n'ai pas d'autre clé. Bon, eh bien... Encore une fois, me revoilà bloqué. Bon, on va essayer d'aller voir Lully là-bas. Il a mis un truc dans le tiroir. Oh le gredin. Qui est-il donc pour se permettre de mettre des trucs dans les tiroirs? Ah, les belles partitions. Ça ah tiens, je vais en prendre une page. Super. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai pris une page de partition. Je compose, jeune homme. Vous me dérangez. Ah bah, désolé. Et tu veux une partition? Mais ou comment ça se passe? Mon art suscite tellement de jalousie. Observez d'ailleurs avec quel souci ils ont composé ces balles. Mais voilà qui est étrange. Il me semble distinguer une manière d'écriture musicale sur ces portées. Les procédés me paraissent simples, mais l'extraction fastidieuse, et je n'en ai guère les loisirs. Je suis fort occupé. Mais t'es occupé à quoi? Qu'est-ce que tu glandes toute ta journée à Versailles? Voilà qui est plaisant. Vos attributions vous confèrent-elles une science musicale? Eh ben peut-être. Ça m'étonnerait. Mais je sais quel service vous pouvez me rendre. Oui, ben voilà. On y va. Voilà. J'ai été contraint de travailler avec Monsieur Racine sur une commande du marquis de Seignelay. Oui, j'en ai entendu parler. J'ai toutes les peines du monde à obtenir qu'il me seconde harmonieusement. L'avez-vous vu récemment? Ah oui, il était dans l'escalier avec... Fort bien. Retrouvez-le. Et demandez-lui si dans le deuxième vers de l'idylle sur la paix, la phrase exacte est « Peuple, chantez la paix qui vous rend tous heureux » ou bien « Homme, chantez la paix qui vous rend tous heureux ». Pendant ce temps, je déchiffrerai ce pamphlet. C'est tout ce que tu avais besoin. Écoute, pendant que l'autre il chante des trucs de Razibus, je vais aller te chercher le mec. Donc on est d'accord qu'on l'a vu dans l'escalier avec sa copine, là. C'est Razibus ou Dragibus, c'est l'un ou l'autre, mais j'arrive pas à savoir.
Bonjour. Ah, au fait, j'ai pas fouillé le. Faut que je fouille le tiroir. Là, il y en a un qui a mis un truc là dans ce tiroir. Une clé. Petite clé 2. Eh bien, où allez-vous de ce pas alerte, mon garçon? Mais merde, mais qu'est-ce qu'ils ont. Elise et Moon, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Hein? C'est qui lui? Ah, mais c'est le. D'accord, c'est le frère du roi. Mais merde. Il y a des modélisations qui sont pas forcément heureuses. Hein. Que puis-je pour vous, jeune homme? Vous pouvez lui dire qu'il faut lire, peuple, chanter la paix qui vous rend tous heureux. Eh ben voilà, on a la réponse. Allez, on dégage. On va être obligé de faire le tour pour aller voir Lully, c'est quand même fou.
Montrez-moi cela. Ah, je te l'ai déjà donné. Félicitations, Lalande. Oui. Est-ce que j'ai pas autre chose à lui donner? Pamphlet sur la ligne royale, non, il s'en contrebalance. Ok. Il n'y avait pas un truc à faire dans les bureaux là-bas? Là-bas? Non? J'étais persuadé qu'il y avait des trucs à faire. Est-ce que je peux t'emmerder encore une petite fois? Non, tu ne veux plus. Ok. Alors qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Vous encore? Que venez-vous faire ici? Allez, allez, mon brave. L'émission du bonhomme bon temps ne souffre aucun délai. Oui, bah... J'essaye, hein, mais bon. Là, on est de l'autre côté de l'escalier, d'accord. Donc, toi, tu parles plus. Seulement si vous avez une autorisation écrite de Monsieur Bontemps. Très bien, bah, je vais aller chercher une autorisation écrite de Monsieur Bontemps. Il me reste plus que ça à faire, parce que j'ai l'impression que les autres ne me parleront plus. J'ai des clés qui ouvrent des portes que je ne connais pas encore. Tout ceci est assez rageant. Bon temps. Que me voulez-vous cette fois, Lalande? Je vous l'écris voilà. Tout de suite. Super. Parce que bien évidemment, tu avais une plume et de l'encre à ta disposition. Rentrer dans le cabinet de curiosité, je sais pas ce qu'on va y trouver, mais on va y rentrer quand même. Alors. Tout a l'air en règle. Vous pouvez passer. Ah, ça te la coupe, hein. Allez, ouvre la porte, mon gros. D'accord, il n'y a rien dans cette pièce. Est-ce qu'il faudrait pas que je mette par exemple le papier et que j'y applique le fusain? Bravo. Qu'est-ce qu'on fait avec ces médailles? Production des médailles. Très bien. Donc, qu'est-ce que je fais de ça? Je fais des trucs, je sais pas pourquoi. Excusez-moi une seconde.
Ce fut une fausse alerte. Désolé. Je vous ai abandonné. Donc, oui, j'avais des reproductions de médailles, mais je ne savais pas quoi en faire. L'Ulysse est tiré. Bonjour. Mais je sais pas, qu'est-ce que vous foutez là? Est-ce qu'il faut que je leur montre des trucs ou comment ça se passe? On va faire des sauvegardes parce que si c'est un coup, est-ce que je me fasse embastiller là? C'est pas moi. Que voulez-vous que je fasse de cela? Oh, c'est Skis. C'est vrai que je l'ai pas montré à bon temps, celle-là. Est-ce qu'il m'a pris la partition, l'autre? Ouais, il m'a pris la partition, bon temps. Donc, la fausse esquisse, il devrait la prendre aussi. Le montre. Est-ce que t'es content? Non, tu t'en contrebalances. Que puis-je encore pour vous, Lalande? Et les reproductions de médailles? Non, c'est pareil, tu t'en fiches. Ok. Ok, très bien. Est-ce que Elissimo lissait des trucs? Genre toi. Vous encore? Que venez-vous faire ici? Soit. Voyons cela. Oui, on est d'accord. Mais la chose est fort simple. Toutes ces médailles représentent nos ancêtres Bourbons, sauf celle de Charles VIII, qui, lui, appartient à la dynastie des Valois, auquel nous avons succédé. Ben, c'est super. Charles VIII. Très bien. Et à quoi ça m'avance ? C'est l'exception qui fait la règle. Charles VIII, d'accord.
Qu'est-ce que ça m'apprend? Ça, on est d'accord. Parmi les médailles du roi, c'est l'exception qui fait la règle. Donc l'exception, c'est Charles VIII. Et Charles VIII... J'ai cru qu'il y avait un nouveau machin à examiner, mais non. On va retourner voir là. Est-ce que Lalande, il a une... Non, mais tais-toi, je ne veux pas savoir ce que font les Suisses. Que puis-je encore pour vous, Lalande? Ça, il s'en fiche aussi. Ok. À quoi ça m'avance d'avoir coché Charles VIII ? Le ministre là-bas, il sait des trucs ou... Sans, j'ai pas grand-chose d'autre à faire. Que me voulez-vous ? Si je te montre ça... Je peux vous aider à transcrire cet épigraphe, mais il me faut du temps et quelques documents. Venez me retrouver dans mon bureau, et comme vous me privez de dîner, apportez-moi donc un encas. Et tu m'as pris pour un serveur ? C'est où ton bureau? Je sais même pas où c'est ton bureau, tu dis que... Tu dis qu'il faut que je te retrouve à ton bureau, mais c'est où ton bureau? C'est pas les petites chiottes qui sont derrière, j'espère. Bah, normalement, tout est bon. Alors, si c'est un ministre... Ah, oui, non, attendez, j'ai une idée. Si c'est un ministre, il doit avoir son bureau dans l'aile des ministres. A priori. J'ai cru que Lully était revenu, mais non. Il est pas là. Hélas, non. C'était pas ça. N'oublie pas de faire une petite sauvegarde quand même, parce que malgré tout, on a progressé. Que puis-je encore pour vous, Lalande ? Mais je ne sais pas, moi, t'as pas une idée, truc à faire. Hein.
Je vous prie de me laisser. J'entends que la messe est terminée et je dois ouvrir les portes afin que Sa Majesté se rende à son dîner. Pas la peine de regarder les gens comme ça. C'était ça. D'accord, le dîner. Non mais il est midi, les gars. On va pas dîner à midi. Pendant la messe, les officiers de bouche du roi, les rôtisseurs, les panetiers, les commis, se sont activés à préparer le dîner. Les mets qui ne seront pas consommés par le souverain, dont l'appétit est légendaire, iront rassasier d'autres convives, et le peuple ne dédaignera pas d'acheter les restes au cerdeau. Le dîner public est un spectacle auquel les courtisans s'empressent. Messieurs, à la viande du roi! Seuls les membres de la famille royale peuvent être à la table du souverain, tandis que les seules duchesses ont l'autorisation de s'asseoir devant lui. Alors, monsieur mon fils, nous préparez-vous un beau carrousel? Au cours de ce dîner au grand couvert, trois services de 6 plats chacun se succéderont. Potage et entrée, rôt et entremets. Que puis-je pour vous ? C'est pas. Sa Majesté vient précisément de lui poser une question. Il ne faut pas songer à lui parler. D'accord. Que puis-je pour vous ? Sa Majesté en est au 2e. Je viens de voir passer les rots et les salades. Le roi semble comme d'habitude avoir grand appétit. Songez qu'il a déjà mangé un poulet entier, 2 assiettes de soupe, ainsi que les petits pois dont il raffole. Il en est maintenant à sa 4e assiette de salade. Et... Que puis-je pour vous ? Et d'accord. C'est par là que je vais, moi. Ah, oui, on est devant les appartements de maintenant, là. Cette fois-ci, j'ai le droit de passer par là. Garçon bleu, oui, donc ça c'est comme moi, quoi. Et je lui ai piqué une part de tarte. Littéralement. Je suis sorti d'ici, très bien. Ah mais c'est vrai que je devais retourner voir le mec à son bureau avec une collation. Oui, voilà. Écoute, j'ai chouré de la bouffe au roi juste pour toi. Cette porte est fermée. Ah, porte est fermée. Petite clé, un non. Les deux, non plus. Ah, c'est vous. J'espère que vous m'apportez mon repas. J'ai grand faim. Bah écoute, j'ai une part de tourte. Voilà qui devrait apaiser mes entrailles. J'ai fini mon petit ouvrage de traduction. Je vous le laisse sur la table. Ben, c'est gentil. Et sur ce, il s'en va. Ah. Il y a un truc à faire avec ce plan. Felix Fortuna Divinum Exploratum. Attendez, oh là là, il y a un truc à faire là.
Là, d'accord. Je vais aller chercher ce qu'on appelle communément un stylo. Ça m'aidera donc à prendre quelques notes, parce que je pense que par rapport au pamphlet de la famille royale tout à l'heure, la suite de nombres a son importance. Fais-moi voir. Sur la ligne royale. 23, 24, 18. Vingt-deux de neuf, vingt-trois, vingt-six, vingt-sept, vingt-six, deux. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20, 23, 24. Ensuite, 19, 20, 21, 22, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le loup est 23, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25, 6.
pour le moment. Je ne sais pas, moi, je cherche... Peut-être que tu as des idées. Ah, je peux rentrer là, maintenant. Ok, je suis revenu ici. Ok, donc j'ai de nouveau un accès à la galerie. Très bien, qui est vide. Ça me sert de venir ici si j'ai pas d'interaction. Je suis quelque peu pour Max. Faire que les écouter, je ne peux pas discuter avec. Je ne vois pas en quoi ceci concerne notre enquête pour le moment. Bon, bah, si tu veux pas de ma queue de billard, je sais pas quoi faire pour toi. Il y a quelqu'un là. Sa Majesté ne dissimule plus son courroux devant les protestants qui persistent dans leur foi hérétique. Il est temps que les Huguenots plient. Hélas, monsieur, je crains que tout ceci ne finisse dans le sang. Pas dans les provinces où j'ai charge des Huguenots, madame. Sa Majesté veut la conversion des protestants, non leur tête. Monsieur de Louvois est à l'œuvre, monsieur, et il n'est pas dit qu'il vous conserve ce pouvoir. C'est madame de maintenant, donc. Il a fini par sortir de sa chambre. Il me resterait donc des trucs à faire dans ces bureaux. Une serrure là au fond du tiroir, on dirait. Non, je
Ici. Oh, c'est des trucs à faire.
On va aller parler aux gens. Dire, hey, ça vous souvient pas une grosse baston avec la chapelle On peut que les écouter. Oui, Lalande, que voulez-vous ? Allons, Lalande, je suis sûr que vous saurez dissiper ce mystère sans mon aide. Associez les dates aux noms. Vous trouverez sur les plafonds de la galerie tout ce dont vous avez besoin. Ah. Merci Lalande, Bontemps, tu t'es rendu utile. Plafond de la galerie. La chapelle 1668. J'ai envie de dire yes, papa. On va vérifier les autres quand même. Celle-là, les autres, il fallait les trouver autrement. Bon, on va aller les rentrer. On va trouver les plans et ce qu'ils cachent. Je trouvais ça aussi étrange qu'on puisse revenir dans la galerie et qu'on n'ait rien à y faire. Et heureusement qu'on a pris la lunette pour observer les trucs qui sont trop haut au plafond. Les mecs, ils font des salles aussi. Truc, il y a 6 mètres de hauteur sous le plafond. Comment veux-tu voir ce qui s'y passe ? Alors, c'était là. On a dit 1643. 1660. Mais arrête de dépasser, ne sois pas con. 1668. Et 1575, ça s'ouvre pas. Besançon, il y avait autre chose sur Besançon. Voyons voir. Besançon, il faut que j'arrive à écrire correctement. 1575. Siège de Besançon, 1674. Est-ce que ce serait ça? 1674. Yes.
1674, on était 100 ans trop tôt. Oh, ça flashouille. Plan Vauban. Plan de la citadelle. D'accord. Plan Vauban. Fond de pentagone régulier. Est-ce que le troisième, c'est celui qui est dans son bureau ? Le cygne et la grue, c'était wow. Là, j'ai que le pense-bête, d'accord. Moi, je peux pas le prendre. On m'amène la lande ici, c'est... La lande, faut que j'arrête de l'appeler la lande. Bon temps, faut que j'amène bon temps ici. Oui, bonjour. Texte au contenu proprement scandaleux. Oh, bah alors. Vous le remettiez sur le champ à Monsieur Bontemps. Oh, mais t'en fais pas, je vais le faire. Louis le 14e roi thaumaturge, depuis qu'il a été sacré, guérit d'une main et persécute de l'autre les meilleurs de ses sujets. Les. Arrache, non, la conversation. Faible prémisse, comme le souligne Monsieur Bossuet. Du roi a remplacé. Celui du père tremblait sujet de la... Tendu, votre doctrine déplaît à sa majesté. Ici même, sur les marches de l'escalier, son auteur souhaitait de toute évidence qu'il fût découvert. D'un ignoble pamphlet sur l'attitude de notre roi envers les Huguenots, l'auteur de ce texte cherche à attiser les colères, et je ne voudrais pas que de tels propos tombent entre de mauvaises mains. Alors, sachant que Bontemps, il est dans la pièce à côté, hein, elle pouvait pas faire 10 mètres pour donner elle-même le papier. Que voulez-vous ? Allons, Lalande, je suis sûr que vous saurez dissiper ce mystère sans mon aide. Il vous faut les superposer. Je l'ai fait. Encore ? Ce pamphlétaire va me rendre fou. Hâtez-vous, Lalande ! Les événements se précipitent et vous touchez au but. Le dîner s'est achevé par le service du fruit. Puis le roi va consacrer plusieurs heures à l'administration du royaume. À cette époque, il aime à travailler chez la marquise de Maintenon, en compagnie parfois d'un de ses ministres. Il trouve dans les appartements de celle qu'il a épousée secrètement le calme et la sérénité nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. 3 heures durant, le roi examine à fond les dossiers. Pour les courtisans, c'est une des rares occasions de la journée où ils ne suivent pas comme une ombre les moindres faits et gestes du souverain.
Certains jouent passionnément aux cartes. Celles-ci peuvent être un véritable moyen de subsistance. Et quelques-uns n'hésitent pas à braver la disgrâce royale en trichant. On s'adonne aussi à des jeux d'adresse, comme le billard ou le trou madame, mais la conversation brillante est l'un des plaisirs les plus goûtés de Versailles. Je n'ai pas de temps à vous consacrer. Bonjour déjà. Cela m'est impossible, monsieur. Je ne le connais que d'aujourd'hui et nous n'avons parlé que d'opéra. Il a rajeuni. En outre, observez la manière dont il tient sa canne, madame. Il est gaucher, à n'en point douter. Certes, monsieur, mais je ne vois pas en quoi cela est singulier. En rien, madame. Mais il se trouve que jadis, quand je le rencontrais, il était droitier et bien moins alerte. Quelqu'un serait donc en train d'usurper une identité. On va débarrasser d'une bonne partie de mes trucs. Alors, Lebrun, où en sont vos travaux dans le salon de la guerre? Ils avanceraient certainement plus vite si quelqu'un...